avez vu, d'autres avez non. Et vous allez avoir l'occasion de voir des voix devant vous. Nous allons venir pour tous les deux. Et je ne parlais pas la différence. Les jeunes constituent un groupe stratégique. Si les jeunes acceptent s'engager dans les changements, c'est sûr que c'est toute la communauté qui va bénéficier justement de cet impact-là. Qui veut porter la tenue? Avec ce qu'on a appris, vraiment, ça nous a aidé beaucoup. Ce changement-là, parce qu'on a reçu des formations et on a eu des conseils. Et je pense que ça, la sensibilisation aussi, je pense que c'est ça qui nous a aidés. Comment faire toujours pour éviter que... C'est engager toutes les marches qui permettent. Toutes les femmes qui sont des dépositaires de l'éducation au niveau des familles, on sait que la place de la femme va changer et c'est la femme qui va prendre en charge véritablement cette éducation pour inverser la tendance de comportement déviant comme la consommation des stupéfiants, comme la circulation qui ne respecte pas le code de la route. Dans le cadre de ce projet, on est là pour en tout cas échanger avec vous, pour que vous puissiez prendre contact avec nous, pour que nous puissions facilement comprendre certaines choses qui sont de votre milieu. Et vous aussi, vous allez comprendre comment nous travaillons. Voilà, il y a des tenues pratiquement pour exécuter ces missions-là. Voilà, ici, vous voyez, la gendarmerie a un service social. Lui-là, c'est un gilet pare-balles. L'approche qui a été adoptée et qui fait en sorte que les acteurs se concertent d'une manière régulière, qui fait qu'il y ait une synergie entre les populations, les forces de défense et de sécurité et l'administration. La plupart donc, des défis ont été donc, relevés compte tenu du succès et éclatant du projet. Voici un